2024年10月，时尚艺术界人士云集法国南部小城耶尔，第39届耶尔国际时装摄影时尚配饰艺术节在此举行，汇聚行业力量，发掘和提携设计新秀，为时尚界的未来注入更多活力。C'est enthousiasmant à la fois de vivre un centenaire d'un bâtiment majeur comme la Villa de Noailles. Les 100 ans, c'était en 2023 et l'année prochaine, ce sera les 40 ans. 40 fois ce festival de Hyères. Dans cette édition de transition, on a la chance d'avoir en particulier des présidents du jury incroyables. Je disais tout à l'heure que c'est une chance pour les jeunes d'avoir ces modèles dans chacun des domaines qui sont les leurs. 时装单元评审团由 Nicolas de Vlies 担任主席。评审10位决赛入围者的作品，提供专业指导。入围者更有机会与久负盛名的时装品牌与手工坊合作，获得资金支持和创作灵感。C'est un des points de ce festival où je trouve que la transmission est très importante, et ça grâce à nos partenaires, qui sans nos partenaires ne pourraient pas exister. Oui, on a fait une collaboration avec mon texte. Normalement, dans ce festival, on a une seule collaboration, mais cette année, on a eu la chance de également faire une collaboration avec Le Sage pour l'anniversaire des 100 ans de la maison. C'était très enrichissant, c'est extrêmement impressionnant d'arriver dans une maison, dans des ateliers comme ça. 设计师多勒夫·埃隆摘得时装单元 Permic Vision 评审团大奖。比利时设计师罗曼·比绍则一举夺得 Le 19M 香奈儿高级手工坊大奖和艺术工艺奖两项桂冠。他的无性别服饰系列以回收材料打造，创新演绎别样风格。来自中国的年轻设计师段池阳以一套充满新意的眼镜系列夺得配饰单元大奖，并获得艺术大师合作项目。相比与其他比赛来说，我觉得更多的是带来了更多和很大的时装屋的合作的机会。我们每一个 finalist 都做了一个和爱马仕的合作的作品，同时我们还见到了许多时尚行业的人和机会。由爱马仕赞助的爱马仕配饰奖由法国设计师克拉拉·贝斯纳摘得。摄影单元由艺术家可可·卡皮坦担任主席的评审团将 7L 奖授予摄影师阿汉特·施瑞斯塔。法国摄影师巴西勒·佩尔蒂埃获得了美国复古奖，摄影师克雷王·布袋获得公众奖。Et depuis quelques années, la chance d'avoir justement des lauréats qui viennent de partout dans le monde, ça nous permet d'avancer, de partager et de créer quelque chose de pérenne, et j'espère encore pour 100 ans.